Comme vous l'avez vu, cette émission vous promet un show sensationnel dans lequel un couple devra traverser le pire pour connaître le meilleur. Cette semaine, vous avez suivi les aventures de deux jeunes amoureux et sans plus attendre, je vous propose de les accueillir. Voici Milo et Amy. Bonsoir Milo, bonsoir Amy. Ah, vous êtes à croquer. Ils sont à croquer, n'est-ce pas? Comment allez-vous, mes chéris? Bien. Ah, super bien. Et vous, public, ça va? Eh bien, vous êtes en forme. En sera-t-il de même dans quelques instants? Je vous propose de visionner un extrait de l'incroyable, que dis-je, de l'extraordinaire semaine que vous venez de vivre. On peut dire que Milo et vous êtes passés par diverses épreuves, pour le moins excitantes. Comment vous sentez-vous? Milo et moi avons passé des épreuves plutôt... Vous pouvez le dire, Amy, vous avez passé les épreuves avec grand succès, puisque je vous le rappelle, vous avez réussi à faire grimper votre cagnotte à 52 000 euros. Waouh, c'est quelque chose, n'est-ce pas Milo? Ah, ça c'est sûr, c'est quelque chose. À nous le magot. Milo et moi, on essaie de se trouver un appartement, en fait, et avec nos petits salaires, c'est pas forcément évident. On s'est dit qu'en venant ici, on trouverait peut-être le moyen de réaliser notre rêve, et là, on le touche du bout des doigts. Du bout des doigts? Quelle formidable référence à votre toute dernière épreuve! Comment vont-ils, d'ailleurs? Je vous rappelle néanmoins qu'il vous reste une épreuve à passer et que le cœur lumineux reste brisé. Sans allumer la seconde partie du cœur, vous ne pourrez pas gagner. Est-ce que vous comprenez? Ce cœur lumineux reste un réel mystère pour nous. Nous passons les épreuves avec succès, nous faisons monter la cagnotte et cependant il reste brisé. Donnez-nous un indice! Je suis navrée, Milo, mais seul vous pouvez trouver la clé pour allumer le cœur de votre amour. Il est déjà l'heure de la dernière épreuve. Amy, il me semble que c'est à votre tour. Oui, vous pouvez me donner l'appellation de l'épreuve. Ah oui, bien sûr. Où avais-je la tête? L'épreuve s'intitule... Bain à bulles. N'est-ce pas charmant? Moi, ça m'inspire. Allez, allez-y et revenez avec la victoire. Et n'oubliez pas, il faut que le cœur s'allume. À nous deux, mon cher Milo. Puisque nous sommes seuls à présent, j'en profite pour vous dire que je trouve le comportement d'Amy quelque peu étrange. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Eh bien, si je puis me le permettre, elle n'a pas l'air très à votre écoute. Elle ne vous écoute pas beaucoup. Elle ne parle pas beaucoup. Et puis, s'est-elle excusée lors de l'épreuve du fauteuil magique? Vous savez que le public vous aime bien. Et je pense que, comme vous, les gens en veulent un peu, Amy. N'est-ce pas? Regardez comme vous êtes le chouchou de tous ici. À votre place, je ferai ce que tout le monde attend. Il y a quelques jours, vous êtes allé au-delà de vos limites. Et maintenant, est-ce peut-être son tour?
va bientôt nous entendre. L'épreuve va commencer. N'oubliez pas, Milo, vous êtes le préféré du public et tout le monde compte sur vous. Vous m'entendez? Oui, ma chère Amy, nous vous entendons. Vous voici devant le bain à bulles. L'objectif de l'épreuve est de maintenir la tête dans le bassin un certain nombre de temps. L'épreuve est constituée de 5 grades. Ces 5 grades correspondent à 5 temps différents. Plus vous montez en grade et plus vous resterez de temps. Mais plus vous montez en grade et plus vous gagnerez d'argent. Le premier grade met en jeu la somme de 10 000 euros pour un temps de 10 secondes. Maintenant, je laisse les commandes à Milo. C'est lui qui décidera de la suite. Amy, profitez de ce délicieux moment. Nous allons commencer. Milo, c'est à votre tour. Comme vous le savez, pour activer chaque grade, il vous suffit de prononcer la phrase « Oui, je le veux ». Je vous le rappelle, la première grade met en jeu la somme de 10 000 euros pour un temps de 10 secondes. Alors Milo, êtes-vous prêt? Oui, je le veux. Bravo Milo, vous venez de remporter la somme de 62 000 euros. Waouh, ce n'est pas croyable, n'est-ce pas Milo? Écoutez, je ne suis pas sûr de vouloir continuer. Milo, vous venez de remporter la somme de 62 000 euros, mais vous pouvez faire encore plus. Regardez, comme tout le monde compte sur vous, vous ne pouvez pas abandonner maintenant. Je regrette, mais... Milo, le second grade est de seulement 20 secondes pour la somme de 20 000 euros. Allez-vous refuser cela? Oui, je le veux. Écoutez, c'est pas ce que je voulais dire. Arrêtez tout. Vous voyez pas qu'elle s'étouffe? Je suis désolée, Milo, mais le second grade est lancé. Vous ne pouvez plus faire marche arrière. Vous êtes obligé de continuer. Mais arrêtez, mais vous êtes folle. Mais elle est pas bien. Elle va mourir. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe. Pourquoi il y a plus d'image? Ne vous en faites pas, Amy arrive. Compris, vous venez de remporter le titre de meilleur couple et la somme de 100 000 euros. En effet, pour allumer la seconde partie du cœur, il vous suffisait de vous opposer aux épreuves pouvant détruire l'unité de votre amour. Bravo à tous les deux. Chers téléspectateurs, c'est un sacré couple qui nous aura fait vibrer tout au long de cette semaine. Maintenant qu'un cœur s'est formé, lequel allons-nous briser? C'est ce que je vous propose de voir la semaine prochaine dans notre émission Un pour tous et tous tout seuls. Bonne soirée à tous!